fin de match difficile. Hein. C'est un match très difficile. On était bien dans ce match, on a su revenir. Et après, dans les arrêts de jeu, on prend un but encore. Mais il va falloir très vite apprendre. C'est dommage, parce qu'on ne méritait pas de perdre ce soir. Et maintenant, voilà, c'est difficile à digérer. Effectivement, vous avez eu une deuxième mi-temps beaucoup plus à votre avantage. Tu marques en plus ton premier but en Ligue 1. C'est vraiment dommage, cette dénouement tragique. Quoi. C'est vraiment très décevant. Maintenant, il va falloir relever la tête. C'est un match très difficile. Comme je vous ai dit, on ne méritait pas de perdre. Mais voilà, c'est le football, c'est comme ça. Il faut travailler. On va essayer de relever la tête. Très bien. Bonne continuation. La semaine dernière, vous en prenez 4. Le président, il a eu des mots très durs avec vous. Ce soir, tu donnes la victoire. C'est un peu ta réponse, c'est un peu la réponse du groupe. De toute façon, on se devait une réponse à nous-mêmes déjà. Parce que même si le président a eu des mots, je pense que nous, on n'était pas fiers de ce qu'on avait fait. Mais bon, ce soir, ça nous réussit encore dans le temps additionnel. Mais que ce fut dur, quoi. Que ce fut dur. Ce fut dur, mais en tout cas, vous l'avez cherché. On a vu que quand même, tu cherches une frappe. Tu l'as cherché où, cette frappe? Qu'est-ce que tu dédies en ce moment-là? Je sais que c'est les derniers instants du match. Après, mon pied droit, d'habitude, il me sert pas spécialement à grand-chose. Là, ça nous donne la victoire, donc j'en suis fier de mon pied droit, finalement. Bravo. Est-ce que ce résultat va relancer vraiment la saison brestoise? De toute façon, avec 6 points, on est dans les normes, on est dans notre ligne de conduite. C'est surtout la réaction qui a été très belle. Maintenant, on sait qu'il y a 15 jours pour récupérer, pour savourer. Et il va aller mieux savourer ces 15 jours avec une victoire qu'avec une défaite, croyez-moi. Merci beaucoup. Merci. Ciao Geoffrey.